Salut tout le monde. Juste très rapidement quelques chaînes intéressantes pour ceux qui veulent aller plus vite en électronique, avec différents niveaux, certaines en français, certaines en anglais. Donc la première, électrobidouilleur, normalement tout le monde plus ou moins la connaît. Niveau relativement avancé, beaucoup de choses sur tout ce qui est radiofréquence, mais pas uniquement. Aussi de l'Arduino, aussi de la microplaquette. Pas trop adapté à des débutants, mais ça peut être intéressant quand même. La deuxième chaîne à présenter, Deus Ex Silicium. Là, c'est carrément de l'expertise, vraiment de l'expertise. Le gars fait fondre les puces et va analyser vraiment la trame de la puce jusqu'au transistor interne. C'est très très fun et très 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 poussé, mais toujours intéressant. Quelquefois il y a des choses un peu plus simples. C'est en français également. Électromique est beaucoup plus adapté débutant. Malheureusement il ne poste pas souvent. Mais typiquement, c'est encore en français bien sûr. Et c'est relativement facile d'accès. Electroboom, c'est en anglais. C'est un fou furieux. C'est à la fois comique et technique. Il s'amuse à faire péter ses expériences de façon à peu près systémique. Pour ne pas dire systématique. C'est plutôt intéressant, il publie régulièrement, mais c'est en anglais. Electronic Arts, lui ne publie a priori plus. Il y a quelques vidéos sympas dans son historique, donc à voir. Electroludokit, pareil, ne publie plus, mais il y a pas mal de vidéos historiques vraiment sympas, adaptées aux débutants. Great Scott, alors là on est plutôt sur du pro, semi-pro, avec des exemples vraiment concrets. Les calculs, les comparatifs entre le do-it-yourself et l'achat d'un module, par exemple. Il faut un certain level, surtout que là il présente vraiment les calculs, etc. Elioxa, beaucoup plus accessible, fait de l'électronique bien entendu, mais fait aussi beaucoup d'impression 3D, très connu. JP Horn fait de l'électronique, on va dire... Ça va d'un niveau intermédiaire à un niveau très pro. très intéressant, ça publie régulièrement. C'est en français. MSilva 59. Alors lui, c'est très particulier ce qu'il fait, puisqu'il fait du démontage de machines, de la rétro-ingénierie sur des machines anciennes, ce qu'il appelle du teardown, donc, logiquement. Typiquement il va démonter, je sais pas moi, un capteur de pression d'un vieux Sukhoi, ce genre de choses. Tech Review, alors là on est plus sur du généraliste, sur de l'analyse de gadgets. Donc ça peut être intéressant, très niveau intermédiaire, pas spécialement débutant mais intermédiaire. Yannick Sirgent publie plus. En tout cas plus sur cette chaîne là. Il n'y a pas forcément de choses qui soient très très débutants, mais ça peut être intéressant de regarder. L'électronique en amateur, il y a quelques petites choses assez sympas. C'est moitié pour débutants, moitié pour niveau intermédiaire. Sirob, pardon, Philippe de Merliac, alias Sirob. Lui fait beaucoup de d'analyse de d'outils d'analyse, donc typiquement d'oscilloscopes, de générateurs de basse fréquence, de choses comme ça. Il fait aussi des alimentations, de la réparation, de l'analyse de schémas, des petites astuces bien entendu. Il publie très régulièrement, genre une fois tous les 10 jours, 15 jours. Très agréable, personnage très sympathique. Tonin, c'est plus adapté aux débutants, par contre il a
Il fait pas beaucoup de vidéos d'électronique. Enfin, il fait moitié vidéo d'électronique, moitié vidéo de modélisme. Donc ça dépend un petit peu de ce qu'il a en stock. Électronique Passion, ça fait pas longtemps que je suis abonné. Tiens, pourquoi j'ai pas la cloche truc mûche. Ah d'accord. Qu'est-ce que je disais? Oui, Électronique Passion. Plutôt orienté débutant, mais c'est vraiment pas mal. C'est débutant plus. Vraiment sympa comme chaîne. André Spies, donc lui, il est plus sur des choses un petit peu professionnelles. Assez intéressant, parfois un petit peu compliqué. C'est en anglais par contre cette fois-ci. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié des chaînes que je vais tout de suite présenter également. IV Blog, un mec un petit peu fou furieux mais sympathique, qui fait moitié de la théorie, moitié de la pratique, moitié de l'analyse. Oui, je sais, ça fait trois moitiés. Plutôt sympathique. Bon, il a un accent très fort australien, forcément. Mais c'est pas gênant. Il a d'ailleurs une deuxième chaîne qui est celle-ci. Oh là là, j'ai oublié d'en ouvrir plein. Je profite pour les ouvrir en direct, hein, c'est pas un souci. Hop, qui est celle-ci. Donc ça ne change pas grand-chose, hein, c'est toujours Electronic Engineering. Alors, il y a plein d'autres chaînes très intéressantes. Je ne vois pas. J'en ai loupé une. Comment il s'appelle lui, Mr. Jones Electronics? C'est pas lui, c'est pas Jones. C'est pas Jones. Je regarde très rapidement si je le retrouve dans ma liste. Et certainement dans les M. Je suis où là? Je suis dans les EF. Où serais-tu, LM? Je remonterai un petit peu après. Bizarre que je le retrouve pas. Bon, je le mettrai en commentaire si je retrouve la bonne adresse. J'en profite pour regarder très rapidement si je retrouve autre chose d'intéressant. Plein d'autres chaînes qui sont intéressantes, mais pas forcément pour l'électronique. Je me demande si lui il en fait pas, et lui aussi là. Bon, on va passer sur les pages, hein, vérifier ce qu'ils font. Non, bah je crois que je suis effectivement passé dessus. Je crois que je vous ai donné tout ce que j'ai dans ma liste d'abonnements. Ça doit être une chaîne à laquelle je ne suis pas abonné en fait. Je dois y aller juste en recevant des notifs, à tous les coups. Je me demande s'il en fait pas de temps en temps lui aussi d'ailleurs là. Non, lui il fait les... Pardon. BDTV, c'est absolument pas ça. Henri Ajax, effectivement, fait quelques vidéos des fois un petit peu custom. Il y a quelques fois de l'électronique dedans, ça peut être pas mal à aller voir aussi. Ah voilà, et Abyss01, qui lui fait plus de l'électricité
proprement dit, de la soudure, du bricolage. Plutôt du bricolage que de l'électronique. Intéressant. Bon, après, il y a tous les trucs connus, hein, les frères Poulain, tout ça. Je vous ferai pas toute la liste de toutes les chaînes auxquelles je suis abonné, il y en a beaucoup trop. Et la chaîne d'Olivier Chambon, effectivement. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette liste de chaînes intéressantes pour l'électronique. C'est justement qu'il a démarré une liste sur l'électronique. Très bonne chaîne, je vous conseille également de vous abonner. Allez, ça suffira. Je pense que je mettrai le reste en commentaire si jamais je retrouve des chaînes intéressantes.